Alors je l'ai conseillé parce qu'en tant que conseillère départementale, on avait une cellule pour les femmes qui subissaient des violences. Donc je lui avais conseillé, je l'avais orientée vers les services sociaux. On en avait longuement discuté et la démarche avait déjà été entreprise. Et je lui avais demandé aussi de monter à la gendarmerie, porter plainte éventuellement ou mettre une main courante et du moins expliquer ce qui se passait dans sa vie quotidienne. Donc ça me semblait important de se préserver, de mettre des garde-fous. Il semble qu'aujourd'hui, malheureusement, on les ait franchis une fois de plus parce que tous les jours, il y a des femmes qui meurent comme ça de la folie meurtrière de leur mari et sans raison, hein, sans raison. Est-ce que sa situation vous semblait très préoccupante par rapport à ce qu'elle vous racontait ? Oui, moi suffisamment pour m'inquiéter énormément et faire en sorte de prévenir un petit peu aussi. Alors nous sommes un petit groupe, nos enfants jouent ensemble au ballon et on se voit régulièrement. Et donc j'ai essayé d'avertir en disant faites attention, il faut vraiment faire attention à elle parce que on sait comment ça fonctionne et que ça peut arriver à tout instant, à tout moment. Selon les témoignages, elle avait été frappée publiquement au stade. Non, alors ça, je ne peux pas en témoigner. Moi, je n'étais pas là, donc ça, je me garderais bien de témoigner de quoi que ce soit de ce type-là. Je sais qu'il y avait des mots et des paroles violentes qui avaient été échangées, mais là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus. Quel type de personne c'était, Julie ? Julie, c'était quelqu'un une femme battante, rayonnante et très courageuse. Donc aujourd'hui, je suis là aussi pour lui rendre hommage. Parce qu'à travers elle, c'est toutes les femmes qui sont violentées, battues, et là, ça devient vraiment insupportable. Je pense que c'est l'affaire de chacun, et chacun doit s'en emparer. Je pense que quand il y a le moindre doute, chacun doit en avoir conscience, et les services de l'ordre doivent intervenir, même si ce n'est pas avéré. Il vaut mieux prévenir que d'être là aujourd'hui. On se serait passé d'être là aujourd'hui pour constater son décès, malheureusement. Vous avez dit tout à l'heure que c'était prévisible. Vous avez dit tout à l'heure, oui, c'est toujours prévisible. Quand on vit des situations violentes, c'est toujours prévisible. La personne violente peut déraper à tout moment. C'est très facile et je pense que c'était tout à fait prévisible, tout à fait. C'est que la gendarmerie d'Île-Rousse étant un petit peu en défaut, les amis l'accusent d'être... Alors, je n'accuse personne. Simplement, c'est toujours... c'est pas spécifiquement les services d'Île-Rousse. C'est peut-être en général... on ne prend peut-être pas aussi au sérieux, autant qu'on le devrait du moins, quand quelqu'un vient dire « c'est violent chez moi à la maison, il se passe des choses difficiles ». Faire la démarche d'aller à la gendarmerie, ce n'est pas facile. Donc quand on le fait, je pense que ça doit être pris en compte à la hauteur de ce que ressent la personne et de ce qu'explique la personne. Même si, évidemment, qu'on ne va pas attendre. Alors Julie m'avait dit la chose suivante. Elle m'avait dit « je m'inquiète parce qu'on ne me prend pas au sérieux, il faudra peut-être que je meure pour qu'on me prenne au sérieux ». Donc c'est peut-être aujourd'hui, voilà, où on en est.